Et donc, je m'appelle donc André Hidochel. Je suis la tromboniste basse donc, de l'académie. J'ai actuellement 22 ans. Et niveau musical, là, je vais faire mon entrée CEPI l'année prochaine. Alors bonjour, moi c'est Gabriel Massia, je suis dans le pupitre de violoncelle et j'ai passé ma fin de 3ème cycle cette année et je vais prendre des cours l'année prochaine, donc on verra bien. Je sais pas trop encore. Voilà. Non, c'est actuellement la 7ème année à laquelle je participe. Donc là sur la 9 Académie, j'ai assisté bon, à tous les concerts et c'est formidable. Chaque fois, chaque année, j'ai envie de revenir. Donc, Moi par contre, c'est que ma 2ème Académie, mais après la dernière académie, j'ai trouvé ça tellement bien que j'ai voulu revenir. Bon, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Même par pupitre. Donc, une journée type, c'est techniquement là le matin, on répète avec l'orchestre avant. Ensuite, on fait du travail personnel ou en pupitre pour travailler certaines parties des morceaux qu'on a. Et l'après-midi, partiel de symphonique et parfois tout type de symphonique le soir. Pour les cordes, c'est un tout petit peu différent. On commence par un travail de pupitre. Donc souvent, on arrive le matin, ça fait du 9h-11h. Et après on a en général une heure de travail personnel parce que c'est vraiment des programmes qui sont très intéressants et parfois il faut les bosser parce que il faut vraiment savoir les jouer. Et l'après-midi on a de la musique de chambre, ça dépend des années mais par exemple cette année on fait de l'ensemble de violoncelle, c'est vraiment sympa. Et il y a très souvent soit un tutti corde, soit un tutti symphonique aussi. Formidable, les moments de pause on se rejoint tous, on apprend à se connaître au tout début du séjour. Sauf bon, pour les anciens, entre guillemets comme moi, on connaît la plupart du monde, donc on se retrouve souvent dans des petits groupes, mais tout le monde s'entend bien. L'ambiance, elle est vraiment super bien, et même par exemple quand on débarque la première année, on se fait très vite des connaissances, et tout le monde s'entend super bien, et il y a de quoi faire, parce qu'il y a toujours des activités, il y a toujours des loisirs proposés, que ce soit par l'équipe d'animation ou dans le cadre du travail, et c'est vraiment super.